L'inventaire des actions de la métropole, la traduction par l'image des missions de la collectivité, c'est ici chaque semaine en moins de 6 minutes. Et au chapitre des déplacements, une petite nouvelle fera bientôt son apparition. Et elle est toute bleue pour bien se faire voir. La DOT, c'est la nouvelle trottinette et le nouveau vélo à assistance électrique en libre service qui faciliteront vos déplacements dans quelques jours dans la métropole. L'opérateur est déjà bien implanté en France et en Europe et il a répondu avec succès à l'appel à manifester d'intérêt. Présentation Laurie Baillet. Déjà implanté dans une quarantaine de villes en Europe, mais aussi à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, la société DOT arrive sur notre territoire au 1er juillet avec 2100 trottinettes électriques et 2100 VAE en libre service sur Grenoble et 17 communes de la métropole. Là, on sera à Grenoble, on sera sur le campus, on sera sur Innovalley, on sera sur les grandes communes, l'ensemble des grandes communes, et on sera aussi au-delà. Ça représente près de 400 000 habitants, et ce qui permettra encore une fois de faciliter ces déplacements du quotidien. Et peut-être sur certains déplacements, de se dire « je ne vais pas le faire en voiture ». Ça serait même très très bien de ne pas les faire en voiture, mais je vais les faire avec la trottinette qui est située à côté, ou le vélo électrique. Fondée en 2018 par deux Français, Maxime Romain et Henri Moissinac, DOT a remporté les deux appels à manifestation d'intérêt lancés par le SMAG et succède donc à Thiers et Pony. Et avis aux initiés et non initiés, son fonctionnement reste le même. Il suffit de télécharger l'application DOT sur Android ou sur l'iPhone, mettre son moyen de paiement, donc par exemple une carte bancaire ou PayPal, et ensuite il suffit de scanner le code QR sur le vélo électrique ou sur la trottinette électrique, et voilà, vous verrouillez le véhicule et vous êtes parti. Ensuite, effectivement, on imposera le stationnement sur l'ensemble aussi de la métropole, donc ça permettra de garantir qu'il n'y a pas de désordre sur la voie publique, et on modulera la vitesse en fonction des zones piétonnières. Donc sur des zones piétonnières, typiquement, on réduira la vitesse à 10 km/h pour réduire le risque pour les piétons. Le déploiement de ce service simple et accessible va permettre aux habitants de compléter leurs solutions de transport du quotidien. Les services de trottinettes et de vélos en libre-service, qu'on appelle des micro-mobilités, s'inscrivent en plein complément avec les autres types de transports. Ça peut être garer une voiture individuelle à un parking relais, descendre d'un transport en commun, finir le dernier kilomètre grâce à ce service ou à l'arrivée d'un train. Donc il y a une vraie complémentarité d'usage avec ces services. Et pour gérer son service, l'entreprise DOT prévoit de recruter entre 30 et 60 salariés en partenariat avec Pôle emploi, le plan local pour l'insertion et la mission locale. Et ce service sera donc déployé dans 17 communes de la métropole autour de Grenoble. La métropole, ce ne sont pas que des débats, des actions, des budgets ou des services. Ce sont aussi des agents qui s'investissent pour le service public intercommunal, sans oublier leur épanouissement personnel et collectif. Et parce que la musique adoucit les mœurs, une chorale métropolitaine réunit les agents qui l'ont fait savoir le jour de la fête de la musique. Alina Badreddine. Des agents et des agentes enchantés, la métropole de Grenoble donne le la chaque lundi à la pause méridienne depuis 2018. Venus parfois de secteurs différents, ce moment est l'occasion de se rencontrer en dehors du cadre professionnel, dans une bulle qui fait éclater la routine. Je suis à la direction des finances et c'est vrai que la chorale est depuis 4 ans auquel je participe. C'est pour moi une véritable bouffée d'oxygène. Ça me permet de beaucoup me détendre. C'est mon yoga à moi. Ça permet de prendre du temps pour soi, avec ses collègues, au-delà, on va dire, des réunions, des temps de travail, du travail à la métropole, et aussi, on va dire, avec les charges familiales de chacun, ça nous permet d'avoir un temps ensemble, entre midi et deux. C'est assez accessible pour les agents, donc c'est assez sympa. Un temps où on crée des liens, où on partage des moments, où on apprend à se connaître, et au final, pour mieux travailler ensemble. La musique nous aide à dépasser nos limites. C'est une belle aventure collective que l'on partage, qui rencontre un vif succès. Et voilà, quelqu'un a dit un jour que sans musique, la vie serait une erreur, et je suis plutôt d'accord.
Une expérience sans fausse note qu'ils partagent avec une professionnelle, leur chef de chœur, Chris, si amoureuse de la musique qu'elle a tout quitté pour elle. Originaire de Syrie, la jeune femme a traversé, essentiellement à pied, 25 pays avant de rejoindre la capitale des Alpes, pouvoir faire vivre ses partitions librement et désormais partager sa passion. J'ai beaucoup de retours des personnes en disant que rien que l'effet de chanter ensemble, ça libère des tensions, ça fait un début de semaine qui est un peu plus calme, un peu plus douce. Voilà, ça les permet de continuer leur semaine tranquillement. Sur ces paroles et musique, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.